Salut à tous mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing pour un produit ici qui m'intéressait depuis de longues années. Vraiment, c'est des choses qui me plaisaient depuis un certain temps. J'avais déjà pu acheter un équivalent un petit peu sur un autre site internet. Un équivalent qui a fonctionné pendant un certain temps, mais qui n'était pas assez résistant. Et je me suis dit que acheter ce produit-là en ligne n'était pas vraiment la meilleure des idées. Le produit que je vais vous présenter, c'est des produits de la marque Solar Brother. Alors, vous pouvez évidemment trouver ce genre de produit dans des magasins comme Ovio Camper. Je l'ai simplement pris en ligne parce que il était en vente de couleur jaune et que en magasin, il n'y avait que du rouge ou du bleu, je crois, ou du vert. Et du coup, je me suis dit, ça peut quand même être bien mieux comme ça. Donc, voilà le packaging, beaucoup plus sympa, en ouverture simple. Et donc, on se retrouve avec le Solar Firestarter, l'allume-feu solaire. Vous avez sûrement déjà vu ça en ligne. Un petit dispositif sympathique qui fait converger la lumière pour faire simplement du feu, tranquillement. Système écologique, évidemment, parce que ça fonctionne avec l'énergie solaire et sans panneau solaire, sans batterie, sans rien. Et donc, aussi bien pour allumer une clope que du feu, que se fait un petit système. Voilà. Et également ce pack-là. Alors ce pack-là, c'est un autre pack qui permet également de différentes choses. Qui permet de se signaler, de faire du feu, de faire du gravage sur banc direct. Bon, je pense qu'il faut être un petit peu chaud pour réussir à faire ça. Mais en gros, on est sur un système d'une grosse loupe. Et si jamais vous avez jamais essayé ça en étant enfant, de vous amuser avec une loupe pour faire du feu, bah sachez que ça fonctionne très bien. Mais bon, je vais pas vous faire l'article, vous connaissez tous très bien. Donc, le Solar Firestarter, donc la petite ouverture comme ça. À l'arrière, vous avez un petit développement de comment tout fonctionne. Concours Lépine, ah, très intéressant. Donc, je l'ai pris en jaune, justement. Je me suis dit que le vert c'était sympa, mais bon, qu'à défaut d'avoir au cas où un duvet en verre, des affaires en verre, camouflage, etc., ça pouvait être pas mal d'avoir d'autres équipements personnels, d'autres couleurs. Alors, vous allez voir ça en direct. Tada! Donc, solarbrother.com, allume-feu solaire. Malheureusement, aujourd'hui, il fait pas beau, donc je pourrais pas vous faire le plaisir de tester ça en direct, mais on a une petite un petit QR code avec une petite vidéo démo. Et regardez-moi ce bel outil, franchement c'est joli. Bon, tout en plastique. Normalement Millau, on a un logement pour mettre un briquet, je crois, si jamais justement comme aujourd'hui il fait mauvais. Et donc ouverture des deux côtés, très joli, très joli, très joli. Système ici en métal au milieu, un petit peu flex. Ouais, c'est joli. Oh, c'est le bel outil, c'est le bel outil, ça a de la gueule. Solar Brother au milieu. Ouais, il y a de la belle injection plastique là. Je pense qu'il y en a peut-être en commentaire qui se reconnaîtront. Donc voilà, ça se clipse, ça se déclipse. Donc vraiment très sympa ceci. Allez, je nique tout. Voilà, tac, ok. Donc, hop là. Oh, on a même un petit papier avec le code en morse qui nous permet de. Un autocollant. Ok, je pense qu'il a à mettre derrière si jamais on est intéressé. Ouais, c'est pas con. Un petit système en morse au cas où. Une petite pochette bien sympathique. Tout de jaune vêtu. Et là, ici, on a donc l'aspect bien, bien miroir, je dirais. Je pense que là, au moins, niveau signalisation, on a des chances d'être vu quand même. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. Et là, on a l'aspect vraiment purement. Purement. Hop là. Purement miroir, et là, bon, eh ben c'est nickel ça. Firecard, eh ben on testera ça avec. Je suis très impatient d'essayer ça. On verra. Ça a l'air sympa. Bon, eh ben nickel. Eh ben voilà, pour la suite de tout ça, on a une petite ouverture. Ouais, c'est du joli matos. C'est du très joli matos. On collera ça. Comme ça, on pourra même s'entraîner à distance pour essayer d'envoyer un petit code en morse si jamais on est compris. On fera peut-être ça avec des abonnés. Si jamais vous avez envie d'ailleurs, au cas où d'apparaître dans une vidéo avec moi ou autre, pour peut-être un test de produit, une société que vous avez
des idées, de choses à montrer, tout ça, surtout n'hésitez pas à la manière de ces produits-là, même si eux n'ont plus vraiment besoin de pub, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, je lance une petite bouteille à la mer à ce niveau-là. Si jamais ça vous intéresse de présenter quelque chose ou d'apparaître dans une vidéo, rencontre abonné, etc. Je sais que je suis un petit youtubeur pour le moment, mais bon. Je laisse ça de côté. D'ici là, à ce que la vidéo soit publiée, il y aura peut-être beaucoup plus d'abonnés et peut-être que t'en feras partie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Surtout, si ça t'a plu, bah, abonne-toi, c'est gratos. Et puis, on se retrouve une prochaine journée pour tester ce matos-là plein soleil. Et également, une prochaine semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!